Herbert Léonard prépare sa rentrée. Si le chanteur enquille les pépins de santé depuis plusieurs mois, il est hors de question qu'il renonce à se produire sur scène pour autant. Récemment hospitalisé et admis en réanimation, celui que l'on retrouvera ce soir dans la tournée triomphale des Idoles sur C8 était sorti en juin dernier, heureux de retrouver sa femme Cléo. Herbert Léonard avait alors contracté une pneumonie. Aucune séquelle n'est à prévoir, mais le chanteur a tenu à apporter des précisions sur Facebook concernant sa tournée. Il a indiqué que les spectacles étaient annulés ou reportés jusqu'au 15 octobre. Point final. Une mise au point qui fait suite à une confusion autour de l'annulation de ses concerts. Depuis 2 ans, Herbert Léonard enchaîne les ennuis. Tout a commencé avec une infection au niveau des poumons qui a entraîné 32 jours de coma, puis le chanteur a contracté le Covid en 2022, sa voix en ayant été affectée. Aujourd'hui, Herbert Léonard pense à l'avenir et à ses futures retrouvailles avec ses fans. Christine Bravo, Stone, Herbert Léonard. Ces stars qui ont révélé le montant de leur retraite. Herbert Léonard peut compter sur sa femme Cléo. Bien que traversant une période difficile, le chanteur a pu compter sur la présence et le soutien de sa femme, à ses côtés depuis 50 ans. Malgré les années et la célébrité, rien n'a changé. Depuis un soir d'octobre 1967, Herbert Léonard forme un couple imperméable au temps qui passe avec Cléo, de son vrai nom Chantal Rousselot. Une histoire d'amour née à Lyon et sur fond de passion commune, la chanson. Elle était chanteuse, on s'est rencontrés sur scène et on ne s'est plus quittés, se souvenait Herbert Léonard dans Ici Paris, en 2013. On ne voulait pas vivre ensemble. Mais les événements de mai 1968 en ont décidé autrement. Elle habitait en banlieue, et un soir, où il n'y avait plus de train, elle est restée chez moi. Puis elle est restée pour la vie. Cléo est, depuis toujours, son soutien le plus précieux avec leur fille Eléa. Crédit photo, Cédric Perrin.